Bonjour les gens, en fait j'espère que vous allez bien. Donc là je vais faire un petit gâteau, j'ai fumé, ça fait grave longtemps. Alors du coup, comme vous avez pu voir, je suis au Mexique, donc regardez, je suis plus blanche en fait. Maintenant voilà, je me qualifie de bronzée, même métisse. Voilà, en fait ça me saoule parce que à la caméra mon visage il ressort hyper blanc alors que dans la vraie vie il me sort comme mon épaule. Ça me saoule. Bref, comme vous avez pu voir, regardez, bah ouais, je pèle même dans les cheveux, je pèle partout. Je pèle là, parce que là j'ai été cramée, donc ça fait une semaine et demie je pèle, mais là. C'est presque tout est parti hier, donc déjà c'est un bon, voilà, c'est un bon début. Donc du coup je vais commencer par mettre mon petit fit de Drink Elephant. D'ailleurs aujourd'hui j'ai pas fait de full face en fait parce que voilà. Mais je crois que quelqu'un me l'a vidé. Ouais, voilà, bah, c'est sympatoche. J'en ai plus. Juste pour vous dire, regardez comment c'est de l'arnaque, genre. Y'a que ça. Mais c'est quoi alors ça là? C'est de l'arnaque, frère. Bref, je suis dégoûtée, voilà. C'est pas grave, on va faire mon petit bioma parce que voilà, ça m'a grave saoulé. Celui-là il hydrate parce que je trouve que ma peau elle est hyper sèche, genre vraiment. Mais ça me saoule, je suis hyper bronzée. À la caméra je ressors pas bronzée, ça me saoule. Je vois, ça me saoule. Du coup là les gens, j'ai fait mes cils hyper simples. Genre dites-vous tellement je suis bronzée du visage, 7 ans de cerne. Genre c'est ma teinte alors que normalement, regardez, je prends un endroit blanc. Voilà, ça fait ça. Ouais, ça veut dire que je suis bronzée en fait. Ouais, je sais, je veux que prouver. Et alors? Du coup, bah, je vais venir mettre cet anti-cerne, voilà, parce que j'ai un peu des cernes. Je dors un peu 4 heures par nuit, quoi. Donc bon. Bref, du coup, j'ai vu dans les commentaires, il y a plein de gens qui demandaient, en fait, mais c'était quoi le Club Med? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, j'en parle, mais il y a des gens, en fait, bah, ils savent pas ce que c'est, genre. En fait, le Club Med, c'est une sorte de club de vacances, du coup, d'origine française, enfin, qui est créé par des Français, genre. Et il y en a un peu partout dans le monde, genre. En fait, il y en a plusieurs. Vous avez soit ceux au soleil, soit ceux au ski. Moi, personnellement, j'ai fait presque tous au ski, je dis presque parce qu'il y en a que j'ai pas fait. Et du coup, j'en ai fait que 3 au soleil. Genre. Pour ceux qui sont déjà allés, personnellement au soleil, j'ai fait La Palmeraie, Albion et du coup, ben, Cancun. Il y a des gens qui me disent, ouais, c'est que pour les riches et tout. Alors, c'est pas forcément que pour les riches, mais pour y aller, il faut avoir les moyens parce que, genre, une semaine pour 4 personnes, par exemple à Cancun, il y en a, si vous restez 10 jours, il y en a pour facile 15 000 euros. Bon, j'avoue, c'est un peu cher, mais bon, en fait, après le Club Med, c'est un all inclusive, donc vous mangez illimité, vous avez plein de trucs illimités. Mais attention, hein, il y a des trucs, par exemple les excursions et tout, logiquement, il faut payer en plus. Nous, personnellement, pour Cancun, on n'a pas pris les excursions avec le Club Med, genre on a pris nous à part. D'ailleurs, voilà. Moi, je regrette personnellement, enfin, mes parents ne regrettent pas, mais bon. Après, personnellement, le Club Med, je trouve que vraiment, en fait, ceux qui profitent le plus du Club Med, c'est genre vraiment les gens qui ont entre 13 et. Entre 13 et 25 ans, genre vraiment, c'est la patate. Genre, il y a la fête tous les soirs. Bon, après, il y a la fête tous les soirs, certes. Mais après, si vous avez un DJ Club Med qui met des musiques super bien, genre, elle a mal après des musiques trop trop bien, genre, les crazy du Club Med. Oui, parce que les crazy, c'est les danses indébranlables du Club Med. Genre, bon, je vais donner moi le Madison, je peux pas déjà. Après, celle que tout le monde connaît, genre, Jérusalem, Missa Saxovite, il y a ça. Après, il y a. Bon, à Cocoon, il y avait Et tout mal ou quoi, le truc comme ça. Ouais, bref. Bref, du coup, si leur DJ met des musiques bien et tout, tout le monde s'ambiance et tout, et tout d'un coup, il met un truc de merde, ça c'est le Club Med. Genre, vraiment, t'es là, tu t'ambiances, tout le monde s'ambiance, c'est la frappe. Et là, d'un coup, il met un truc des années 60, genre. Ah, je me coupe dans la discussion, regardez, j'ai eu un nouveau blush, genre, vraiment. Il est trop, trop beau, genre, vraiment, merci à la personne qui me l'a acheté, genre. Bref. Du coup, je disais, ce qui est trop bien, c'est les géos, genre. En gros, les géos, c'est comme un peu les. Comment on peut appeler ça? Les. J'ai bien le mot. Les animateurs. Oui, ben les animateurs, surtout des gens qui ont entre 13 et 17 ans. Je vous jure, c'est vraiment la frappe. Genre, ils sont trop gentils. Ils sont trop bien. Après, ce qui était un peu chiant à Cancun, c'est qu'en fait, tout le temps, genre toute la journée, vraiment même la nuit, il y avait genre des gardes de sécurité, genre autour de la plage et tout. Genre, à un moment, il y a même l'armée, genre, qui passait comme ça à la plage, personne ne disait rien, ils étaient en mode, ben non, normal, tranquille, tranquille. Parce que c'est pas que le Mexique, ça craint un peu, mais un peu. Par contre, ce qui était bien, c'est qu'il y avait vraiment, genre, plein d'activités à faire, genre, enfin, plein d'activités, j'abuse un peu, j'avoue. Mais, genre, vous voyez, j'ai fait une vidéo où je dis parachute à sensationnel, genre, je crois que ça se dit comme ça. Tout le monde m'a dit en mode, ouais, t'as pas peur de faire tomber ton tel, son tel et tout, Non, les gars, non, genre, je sais pas, je le tiens, genre. Voilà, c'était vraiment des vacances super bien.
Donc là, vu que j'ai mis maquillée, maintenant je vais faire une autre vidéo avec ma sœur. Donc voilà, j'espère que vous irez voir. Voilà, gros bisous!